New York. Moi, toi, ce thème-là, ça te va bien. Je l'aime, je l'adore. Alors, hier, dans la nationale, victoire entre les Islanders, Calgary, Atlanta et match nul de 4-4 entre Boston et Philadelphie. La ville d'Halifax a été choisie par l'Association canadienne de hockey pour la tenue championnat mondial junior de 2003. Ah. C'est une très grande nouvelle. C'est bien. Du côté de la course automobile, Jacques Villeneuve a réalisé le cinquième temps d'une séance d'essai à laquelle participaient 6 autres équipes en vue de la prochaine saison du championnat du monde. Daphne. La Suisse, Soja Neff, a remporté le salon géant de le Canadien Britt Jenick a obtenu le 8e rang. L'Autrichien Mario Matt a remporté le salon spécial de Madonna et comme Ligio en Italie. Il y a un Autrichien qui s'appelle Mario Matt. Oui. Ouais. Tu es de Martin. Je vais être content qu'il y ait un nom de même dans ta copine. Mmh. Je suis là, là. Et je crois qu'on va passer à une nouvelle ici de... Bertrand? Du mentor. Oui, on va écouter Bertrand Raymond. Monsieur Bertrand Raymond, bon matin. Vous allez bien? Oui. Le guéret doit avoir l'air que c'est par des chiffres. Oui, mais vous ferez le début. Écoutez, pendant que le Canadien là, accumule les soirées gênantes, on est d'accord là-dessus. Écoutez le ronronnement de Daphné. Hein? Partir très tôt, il faut que je sois pressé à 9h, fait qu'il faut se lever tôt. Dis-le! C'est qui va gagner? Ça va être moi. Qu'est-ce qui va se passer avec Gracieuse? Je sais pas, il va falloir exécuter le jugement, ça va être autre chose. Qu'est-ce que tu dis? Oh, je suis... c'est sur VAIS! VAIS? Je vais... Est-ce que c'est VAIS? J'ai le droit, je filme plus. Je filme même pas. Oui, tu filmes. Non, juste qu'on se rappelle de ton texte. Comment tu... Non, ça fait tout embrouillé. Où est-ce qu'elle est, ma poucoune? Daphne. Poucoune. Ça va pas, Daphne? Qu'est-ce qu'il y a?
Où? L'heure du tournage. Il est à 7h06 quand nous sommes revenus et les vacances de Noël ont commencé. Non, je peux pas. Je suis pas. Annie. Oh, c'est grand. Ah oui, ça. Ma belle Daphne Couquette, La Mayette suit Toutankhamon. Et nous sommes en Égypte, dans la vallée des rois, devant la tombe de Toutankhamon. Voici sa momie que certains gardes nous ont permis de contempler. Vous voyez comme elle est dégradée, elle n'est pas belle. C'est une fissure d'humidité qui est rentrée dans le sarcophage et qui a endommagé cette momie. C'est très dommage, car nous aurions pu l'identifier correctement. Voici un court extrait vidéo. Je suis Toutankhamon qui ose venir violer ma tombe. La chambre, tu n'oses pas, on peut même pas rentrer dans la garde-robe. La veille. On fait un film avec les pharaons. Oui. Bon. On fait un film avec les pharaons. Ouais. Non, un film avec les pharaons. Et toi, t'es dit que t'as tort. Mais elle est à tort pour ça, fait que... T'es à tort. Pour ça. C'est quoi, ça veut dire? Une déesse. Fait qu'on, des fois, on doit filmer des déesses. Pas tout le temps. Choix. Hey! Personne ne... Voyons, il est la loge d'Horus. Et voici la Thor qui ne semble pas très contente. Filme. FBI, ouvrez cette porte. Elle a fait la grosse commission. Voici la femme de ménage journaliste. Nous venons de voir la femme de ménage d'Horus à tort qui ne semble pas très contente car il y avait un tas de poussière. Oh, elle a encore fait la grosse commission. Il semble qu'Hathor ait oublié son porte-monnaie très vif ici. Dans la chambre d'Horus. Nous allons aller rejoindre Camille, Hathor et l'espionner l'écureuil. Hathor semble fâché. Hathor la folle. Non. Hathor a besoin d'aller à l'asile. Les gardes du corps la protègent. Non. Vite, ferme cette porte. Celle est là. La folle. La peur a peur des souris. Hathor a peur des souris. C'est bête. Oh, attends, répétez. Dégage de dans mon lit. Au plat. C'est la nouvelle chambre d'Horus. Elle est très bien. Ici, nous voyons un très véritable papyrus. Ici, il y a la mère de Guillaume qui s'enfile de nos caméras. Nous ne savons pas pourquoi. Isis. Ici, nous voyons un dromadaire. Je vais faire un petit zoom dessus.
et on l'avait remis. Oh, il est superbe. Ici, nous voyons la petite sœur d'Anna, Camille de Guillaume. Ici, il y a un miroir. Oh, non! Un caméraman caché! Vite, cachons-nous! Ici, il y a le lit avec des peaux de léopard. Ici, nous avons la fenêtre avec une superbe... avec une superbe belle vue. N'écoutez pas Camille, car elle ne dit que des mensonges. C'est vrai! Mais ici, nous avons l'armoire. Nous y poserons des voiles au cours de notre prochaine vidéo. Ici, nous avons la collection de dinosaures et de bibites différentes de Guillaume. Ici, nous avons son globe terrestre. Ici, nous revoyons encore la petite sentinante de Guillaume. Dégage dans mon lit. Ici, nous voyons son Nintendo très bien protégé car il est fermé à clé. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. Voici la belle d'Athée, la plus belle château. Après la belle, bien sûr. Pourquoi dois-je quitter ce monde? Je n'attends pas. Pour un monde si cruel. Camille, pourquoi dois-je quitter le monde ici pour un monde si cruel? Oh, toi. Chez moi. C'est si dommage. Je serais resté ici longtemps. Pourquoi moi? Pourquoi? Ils vont même pas s'en aller demain. Je t'en prie, ne pars pas. Adieu Camille, je n'ai vraiment pas été content de te connaître. Adieu Camille, je n'ai vraiment pas été content de te connaître. Vous êtes comédien. Allez. Merci. La prochaine. Dans la guerre. Oh, dans la voir la guerre. Tu vas la voir. C'est comme pas toujours évident non plus, ça fait pas longtemps que je suis là. C'est vacances de la voiture. Ben, j'ai eu les bons, je vais prendre l'avantage, ça fait longtemps que j'étais là, j'ai eu ma semaine. C'est quand le jeu que tu pars du quoi au quoi? Tu pars à Cuba? J'ai un bonus de la course. Oh, fiu, parce que deux jours après, le 19, c'est le jour de ma fête. Je pense que t'ai bien apprécié, mais des fois, c'est comme pas évident non plus. Camille, t'arrêtes. Je sais pas, peut-être la fin de semaine après ou la journée. Pas c'est vrai, c'est un lundi. C'est pas la fin de semaine avant, ok? Parce que moi, je reviens. C'est la première journée que je vais être ici. Elle perdait au champ, de toute façon, même en faisant annuler. Je l'entends à l'envers. J'ai des racines là-dedans aussi, c'est ça. J'ai jamais fait de voyage, ben j'en ai déjà fait, mais... Hey! On touche pas! Hey! Oh, toi, Camille! Je vais la prendre une dernière fois. Daphné! Vite, va chercher Daphné, Jonathan veut la prendre. Pendant la journée de voyage, mais là, parce que c'est là. C'est juste qu'à 10 secondes. Je m'attends. Là, il s'en va, Camille. Laisse-y donc un peu. On va la prochaine. Plus enseignement, pendant que je viens en donner plus tard. C'est belle. Mais il s'en va pas demain. Ça se passe. Est-ce que tu t'en vas demain? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de voyage. Je vais aller aujourd'hui. On a un petit bout sur le printemps. C'est pas vrai. Il s'en va le 3 mars. C'est même marqué. Ça n'a pas de bon sens. Oh, comme ça revenait, je pense, 6 juste. Bon, ok. Hey, il a le droit de la prendre le temps qu'il est là. J'ai donné plus que 10 secondes. Puis, tu l'as pris plein de laisse-le donc. Ben, Mio est pas à toi. Puis, moi, j'y permets. T'es qu'à l'acheter. Moi aussi, je vais y permettre. J'en ai un chaud. Bon, une belle. Je vais y permettre. Elle coûte 1 000 $. Non. Je vais faire ma demande de la vacances. C'est pas vrai. Elle vaut bien plus cher. Ouais, elle vaut bien plus cher. Vous la vendez pas. On a joué avec nos enfants là. Comme tu l'as dit, c'est la plus belle. C'est la plus belle. Notre petit sphinx, hein, qui... attention. Ouais, ouais, puis on avait coquin. Ouais, bah, attention, Camille. Tu... pas du film, mais du... Attention. Du...
Daphné, Daphné, pardonne-la. Aïe, il y a une amie. Aïe, ouais, c'est ce que c'est parce que moi ça m'a fait bien de la peine mon parent qui est pas malade. On est sûr qu'elle est pas malade. Il veut voir la belle chachette. Ok, être sûr que Daphné est pas malade, puis après peut-être Félix. Oh, ben Félix va peut-être aller ailleurs là, Oh non, ouais. Pour l'instant là. Eh ben moi. Ça se peut qu'elle avait. Mais Félix, Bon, on va y aller. Merci infiniment. J'espère que la grippe va se passer. Ouais. La dent était meilleure. Ouais. Oh, et toi, tu mets ça dans le congélateur. Oh là là. C'est super bon, on dirait des bonbons. Ça fait plus sucré, là, aussi, je sais. C'est vraiment bon. On va essayer ça. Merci beaucoup. Bonne semaine. Bon repos. Bye. Bye, Joe. Bye, Joe. Bye, amigos, amigos. Adios. Adios. Ok, là tu reviens. Voilà, Guillaume. Non, fais pas ça. As-tu allumé? Va! Reste tranquille. La grosse madame est vieille quand t'es chaud. Non, c'est la vieille jument et on va y aller. Quoi? Arrête de me filmer. Mais je te fais plus, je fais que checker les zooms. Ah ça, les zooms. Ah, tu me filmais pas là, t'as pas allumé? Non, je fais que checker les zooms. Ouais, t'as allumé, je check les zooms. Ben ça, mec, tu peux pas le mettre. Laisse-moi tranquille, veux-tu? Ben, je ne m'aime pas. Pis, c'est du harcèlement. Un autre caméraman! Au secours! Salut! Je veux pas, moi. Ah! Encore un autre caméraman! Non, j'ai de la misère, au secours! Oh merde, je suis coincée! Au secours! Ah, je t'ai dit que je voulais jouer avec mon nombril. Mon nombril! La chambre car Louis-Félix, celle-là. Qu'est-ce que t'as à me reprocher? Moi! Bon, je vois juste une solution. Aller sous le lit. Ah! Quoi? C'est mon pantalon! Quoi? T'as vu Red le rouge sans pantalon? Oh, madame, j'ai mal au cœur! Coudonc, tu vas-tu t'enlever? De manteau. Bon. Hey. Quoi?
Louis-Félix en camise. Pas de bruit pendant cette séquence inoubliable. Bouh! Arrête, Louis! Branchez-la. Oh, le soleil qui brille. C'est le soleil. Il n'y a plus de soleil. Dans ma game? Qu'est-ce que tu veux? C'est un banjo en noir et blanc. Quoi, tu l'as mis en noir et blanc? Non, sauf que dans ma caméra, on voit en noir et blanc. On va prendre... Vert, maudit truc vert. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Une séquence de banjo-touille. Fais pas. Guillaume, dis les noms. Voici Bibi et Pouki. Jour 1. Ouais, jour 1. Bon ben, vous avez vu quelques niaiseries, bien entendu. Mais maintenant, on va penser plus pathétique. On va penser au vrai documentaire que je voulais vous parler. C'est le documentaire de Daphné. Croyez-moi pas. Oh, la voix là. Regardez. Oh, balou. Fait que je vais vous en parler, puis c'est ça. Alors, voici Daphné que je vais vous parler dans mon documentaire. Regardez sa beauté éternelle, hein? Daphné! Oh, t'es jolie! Regardez-moi ce visage éblouissant. C'est dur à croire, hein? Mais c'est vrai! Alors, regardez-la. Daphné! Oh, t'es jolie! C'était génial, hein, cette scène, ouais! Regarde-la, toujours. Elle est si belle. Oh, t'es belle, Daphné. T'es belle. Ouh! Daphné. Regardez la jeune Daphné. Elle va venir avec moi. Venez, maman. Bon, là, elle a l'air un peu excitée, là. Mais ça va bien aller. Oh, mou. Regardez ça. Sa belle petite queue. Toute touffue. Avec une belle couleur.
Daphné a de beaux yeux et il est génial comme chat. C'est une chatte himalayenne à poil long. Pas comme ça. Long, comme vous le voyez, puis là, fait une connerie. Je vais aller l'arrêter et regarder comment on fait. Là, j'ai arrêté la petite coquine. Fait que elle devrait arrêter d'être tannante. Fait que elle fait comme. Elle fait une quarantaine de centimètres de long. 20-30 centimètres de hauteur. Gros bedon. Là, je vous ai dit qu'elle avait les yeux verts. Elle a les yeux verts. Pourquoi? Le poil n'est pas si long. Il est ça là. Plus long qu'un chat à poil court. Elle a un petit ami qui s'appelle Coquin. C'est un petit chaton, il est mort, mais on devrait le faire là. Au début, on se demandait il est où. Puis ce qui donne une grosse beauté là, c'est regarder sa petite patte comme ça là. Regardez. Ça fait comme si elle était forte. Ouais. Elle va bader. Moi aussi.